Là, tu fais comment? Je lève, le camion avance. Oh, pardon, excusez.
elle est où? Je ne fais pas tout ça. La tienne, la prends là, la prends. Je dis qu'elle est pas, pas dans la garage. Ouais, je suis très content. On espère que ça va aller jusqu'au bout. Hein? Et puis on voit rien, hein, des assemblages. Rien du tout. Vous avez participé à la construction de la sculpture là? Non, juste à la pose. À la pose? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette sculpture? C'est joli. Qu'est-ce que vous pensez de la raison pour laquelle on l'a posée? Ah bah c'est sûr que c'est une bonne cause, hein. C'est une bonne raison. Et j'ai aidé l'artiste à faire le pied. C'est tout. Une fois que le pied était fait, on l'a remonté à l'usine pour assembler la chaise à l'usine. Et elle est redescendue de l'usine, toute assemblée, et ensuite on l'a. Puis, elle est arrivée ici en deux pièces. Et nous, on a assemblé les deux pièces avec une grue. Ça a été, comment vous avez fait pour déchiqueter le pied? Ben, on a fait ça à la main. Normalement, c'était prévu avec de la dynamite. Et puis, on n'a pas pu trouver de dynamite. Alors, on a fait ça à la main avec des coins métalliques, comme les bûcherons étaient dans le temps pour refendre le bois. Et on a refendu le bois, on a fait sauter des morceaux, on a ouvert le pied dessous, on a écarté le pied. Quoi. C'était un gros travail. Ah bah je pense bien, oui. Ça a l'air de rien, mais alors on a mis une journée. Hein. Une journée, ouais. Une journée pour faire. Hein. Parce que c'est pas le tout d'enlever des morceaux de bois. Il faut savoir lesquels enlever, lesquels laisser, lesquels refendre plus haut, lesquels couper, lesquels. Pour que ça arrive à donner l'effet d'un pied éclaté. Quoi, d'un... C'est un peu le contraire de ce que vous faites d'habitude. Voilà, exactement, c'est ce que j'ai dit à Daniel, que d'habitude j'étais payé pour rendre le bois propre, puis là ben, on était payé pour rendre le bois éclaté, déchiqueté. Okay. Voilà. Ça vous fait plaisir d'avoir travaillé sur une œuvre comme celle-là? Oui, bien sûr. Surtout que c'est quand même quelque chose c'est quelque chose de positif. Hein. Ça va amener quand même, j'espère, ça va amener le traité des arrêts des mines antipersonnelles. Disons qu'on n'a pas fait ça uniquement pour faire que de l'art, ouais, on a fait ça de toute façon que ça serve à quelque chose. Voilà. Non mais c'est impeccable hein, Jean-Pierre, c'est vraiment super, vous avez fait un super boulot, hein. vraiment un super boulot. Et puis maintenant il pleut. Maintenant il pleut, c'est arrosé. C'est bon, maintenant on peut prendre la douche. Ouais. Hein? Je vois. Qu'est-ce que t'en penses Daniel? Moi je pense que... C'était super de travailler avec
toute cette équipe, vraiment, c'était super. Pour moi, c'est une très belle expérience, vraiment, très très belle expérience. Tout le monde s'est vraiment énormément investi. Les gens ont été jusqu'au bout. On a soigné tous les détails, tu peux regarder la finition de certains démontages. Tout le monde a hyper bien travaillé, pas de tension, un chantier très agréable, très très agréable. Et des vrais professionnels, aussi bien les ingénieurs, Bucci, Louis Genève, Vaucher, tout le monde a été vraiment à collaborer d'une façon admirable dans ce projet. Moi, je suis ravi. Si tous les projets qu'on réalise pouvaient se faire dans ces conditions-là, c'est vraiment extraordinaire. La preuve en est, hein. Tu vois, l'objet, il reflète bien ça, il est juste, quoi. Est-ce que ça ressemble à ce que tu as entrevu, esquissé ? Mieux, c'est mieux. Ça doit toujours être mieux. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Je ne peux pas visualiser totalement l'objet fini, c'est pas possible. Pour moi, une pièce réussie, ça doit être une émotion en plus quand la pièce est terminée. Il doit y avoir un plus et il y est. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment ravi, quoi. Je suis ravi du travail, vraiment. C'est plus que ce que je pensais.